Et bonsoir, je continue la lecture biblique dans Matthieu chapitre 7 et Luc chapitre 6. La parabole des deux maisons. Jésus regarda la foule d'un air sévère. Certains applaudissaient, d'autres criaient. Jésus est notre Seigneur! Jésus est notre Seigneur! Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur? Demanda-t-il. Vous ne faites pas ce que je vous dis! Brusquement, tout le monde se tut. Imaginez qu'un homme veuille construire une maison, reprit Jésus. Il creusera profondément la terre pour poser les fondations sur le roc. Lorsque le vent soufflera, que la pluie tombera et que la rivière en crue se jettera contre cette maison, elle ne sera pas endommagée. Vous êtes comme cet homme. Si vous mettez mes paroles en pratique et ne vous contentez pas de les écouter. Mais si vous écoutez mes paroles sans les mettre en pratique, vous êtes comme un homme qui construit sa maison sans lui donner des fondations solides. Quand le vent soufflera, que la pluie tombera et que la rivière débordera, elle s'écroulera et sera complètement détruite. Seigneur, apprends-moi à écouter tes paroles et à les mettre en pratique. Amen. Rebelote, c'est bon d'appuyer. La suite dans Luc chapitre 7. L'officier romain et son serviteur. Jésus retourna à Capernaum. Il était à peine arrivé que plusieurs responsables juifs vinrent le trouver. Nous avons une demande urgente à t'adresser, lui dirent-ils. C'est un des officiers romains basés dans notre ville qui nous envoie. Nous savons que c'est un païen et qu'il fait partie des troupes d'occupation, mais il aime notre peuple. Pour preuve, il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Et aujourd'hui, il a besoin de ton aide. Ils expliquèrent à Jésus que cet officier avait un serviteur qu'il aimait beaucoup. Or, ce serviteur était mourant et l'officier voulait demander à Jésus de le guérir. Alors que Jésus était en route vers la maison de l'homme, celui-ci envoya des amis pour lui faire dire « Maître, ne te donne pas la peine de venir chez moi. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi. J'ai moi-même des soldats sous mes ordres et quand je leur commande quelque chose, ils le font. Je suis sûr que si tu donnes seulement un ordre, mon serviteur sera guéri. » Jésus se tourna vers la foule qui le suivait et dit « Voyez-vous la foi de ce Romain ? Je n'ai jamais trouvé une telle foi chez mon propre peuple. » Les messagers de l'officier regardèrent Jésus d'un air interrogateur. Il leur fit signe qu'ils pouvaient retourner chez leur ami. À leur arrivée, ils trouvèrent celui-ci au comble de la joie. « Mon serviteur est guéri !» s'écria-t-il. « C'est un miracle, un véritable miracle !»« Seigneur, merci pour les exemples de foi autour de moi. Ils m'encouragent à persévérer dans la confiance en toi. » Amen. Merci Seigneur pour tous les beaux témoignages qu'on peut lire. Merci à mes frères et sœurs. Soyez bénis encore, on en veut encore. Alléluia. Et toi-même, toi, sois un témoignage. Fais des actes de foi. C'est beau quand tu penses, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, là, les amis qui amènent leur ami malade. L'ami malade, il avait même pas la foi, quoi. Et Dieu, Jésus dit, il a vu la foi, voyant la foi de ses amis. Tes péchés sont pardonnés. Voyant la foi de ses amis. Ayons la foi, mes amis, pour nos amis. Amen. Prions. Prions pour nos amis. Amenons nos amis au Seigneur. Alléluia. Voilà. Et la petite chanson de... Faut que je la poste. Le fou et le sage avec Samuel. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva.
Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Alors que casser le fou. Le fou sur le sage a bâti sa maison. Non, le fou sur le sable, j'ai dit ça. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Ta maison, elle est construite sur quoi? Ta vie. Ta maison, ta vie, elle est construite sur le roc ou sur le sable? Si elle est construite sur Jésus, alors elle est sur le roc. Et même s'il y a une tempête, tu résisteras, ta vie résistera. Mais si elle est fondée sur le sable, sans Jésus, ta vie va s'écrouler. La tempête va arriver et ça va être la catastrophe. Voilà, allez. Viens à Jésus, viens à Jésus, viens à Jésus. Oh Seigneur, que ta parole soit entendue, que ta parole soit lue, que ta parole soit crue, qu'elle soit méditée, qu'elle soit appliquée de plus en plus pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus de toucher les cœurs encore et encore. Amen. Soyez bénis.